faisant ce troisième mouvement, on va avoir l'impression de chevaucher un cheval en train de courir. D'abord, là aussi, on fléchit les genoux. La jambe droite porte tout le poids du corps, puis on avance le pied gauche d'un pas. On avance comme cela. On va observer la même chose de profil. Une fois que l'on sait la croupe, c'est la jambe droite qui supporte le poids du corps. On avance d'un pas avec le pied gauche. On touche le sol d'abord avec le talon et ce pied doit être bien droit. Voilà comment il faut procéder. Voyons cela à présent de l'autre côté, sous l'autre angle. On fléchit les genoux, on fléchit les jambes. On avance le pied gauche jusqu'à ce qu'on puisse toucher le sol du talon. On avance de cette manière. Ensuite, on bascule le corps. Et dans cette position, jambes droites pliées, on a l'impression d'être sur un cheval. Le poids du corps est porté par la jambe droite. Et quand vous levez le pied gauche, c'est la jambe droite qui supporte tout le poids du corps. Cette jambe est pliée, elle supporte tout le poids du corps. Ensuite, le pied gauche touche le sol avec le talon. On avance le corps et le poids se déplace sur la jambe en avant. Dans cette position, la jambe arrière ne supporte plus le poids du corps, mais elle soutient. C'est la jambe avant. Le corps doit être bien droit. Quand on recule, le corps doit toujours rester droit. La jambe droite est fléchie. Le corps est droit de cette manière, la jambe est pliée de cette façon. Et avant de commencer ce mouvement, on travaille d'abord un peu la position. On avance et recule ainsi pour bien travailler la position, pour bien la prendre. Pour procéder ainsi, l'une des deux jambes doit être bien fléchie vers l'avant. Jusqu'où vers l'avant va devoir aller le genou. Quand on avance le genou, les genoux et les orteils sont dans un même plan. Il ne faut pas trop s'accroupir. Il ne faut pas être trop bas. Il ne faut pas non plus que le genou ne touche pas la règle. Il faut que le genou touche cette règle. Que genou et orteil soient dans un même plan. Voilà comment on va prendre la bonne position. Donc on avance avec le pied gauche. Ensuite, le tronc se penche légèrement vers le bas. Puis on lève les deux mains de cette manière. Les mains sont d'abord ainsi. En ce qui concerne la tête, au début, lorsqu'on se prépare à prendre la bonne position, la tête reste bien droite sur le tronc. Puisque l'on doit bouger les deux mains, la tête doit ensuite se pencher légèrement vers l'avant. Mais jusqu'où la pencher? Il faut prendre garde à ne pas se pencher trop en avant ainsi. Il ne faut pas non plus avancer trop peu. En général, le genou, les orteils et le nez doivent se retrouver à peu près dans le même plan. Et dans cette position, tête, tronc et jambes droites sont bien alignés. Ensuite, on avance les bras de cette manière. Et lorsqu'on a réussi à bien positionner les jambes, au fur et à mesure, les mains, quand on se penche vers l'avant, au fur et à mesure, les mains se lèvent de cette manière. Voici comment on compte, alors. Un, deux, trois, quatre, deux, deux, trois, quatre. Voilà comment on respire. La respiration se fait. 1 correspond à l'inspiration, 2 à l'expire. Je vais le faire une nouvelle fois, de face. Bon, d'abord, on va fléchir les genoux. Deux, trois, quatre.
4. La main de devant est tournée pour que la paume soit bien face au ciel. Il faut essayer de la soulever au maximum. La main arrière a la paume vers l'arrière. Il faut essayer de la pousser également au maximum. Main de profil. En levant les mains depuis les cuisses, la paume se tourne vers le ciel. On lève la main de cette manière. En même temps, la main arrière est elle aussi tournée. La paume de cette main est aussi tournée vers le ciel. On fait 7 fois ce mouvement et on compte alors. Voilà ce qui concerne la première partie de ce mouvement. On en vient à la deuxième. On va revoir la première partie. Regardez-moi bien, la tête ne bouge pas, le cou ne bouge pas non plus. Voilà combien de procédés. 2, 3, 4, 2, 3, 4. Voilà, il faut faire ainsi. Dans la deuxième phase de ce mouvement, il faut tourner le cou. Et comment allons-nous faire pour tourner le cou? Regardez bien. Tout à l'heure, nous avons utilisé le pied droit pour porter le poids du corps. Et on a levé le pied gauche. Ainsi, la première partie. Quand on a fini ces 7 enchaînements, constituant la première partie, on se retrouve dans la position de départ. Et dans la deuxième phase, on inverse la position des pieds. On fléchit les genoux, mais ça va être le pied gauche qui va supporter alors le poids du corps. On avance le pied droit, on avance le pied, ensuite on penche légèrement la tête. Et voilà, on fait ainsi. Lorsqu'on lève les mains, la tête tourne en même temps vers ce côté. Quand les deux mains sont baissées, la tête se retrouve à droite. Puis on lève les mains et la tête se retrouve vers l'arrière. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. On procède ainsi en répétant cet enchaînement 7 fois. En somme, pendant la première partie du mouvement, la tête ne bouge pas. Et la différence dans la seconde partie, c'est que la tête va, elle, tourner en même temps que les bras. En outre, pendant la première partie, le pied gauche est en avant et dans la seconde partie, c'est le pied droit qui est en avant. Et ainsi, on arrive à conserver un équilibre entre la gauche et la droite du corps. Lorsqu'on tourne la tête, le mouvement doit être lent, on la tourne lentement. Si on tourne la tête dans la première partie et aussi dans la seconde, ce serait un mouvement alors excessif. Ici, il ne faut pas trop bouger le cou. C'est pourquoi dans la première partie, on ne bouge pas la tête, on la bouge seulement dans la seconde. Comme dans les mouvements précédents, il convient pour les débutants de ne pas commencer à vouloir tout de suite faire les 7 enchaînements d'un coup. Dans la première partie, on met un pied en avant, la jambe en arrière est bien tendue. Et si on maintenait cette position trop longtemps, les débutants seraient rapidement fatigués. Lorsqu'on est fatigué, on ne peut pas empêcher le corps de bouger naturellement. Et alors, dans une telle position, posture serait incorrecte. Or, la posture doit être parfaite. Il vaut mieux commencer par en faire un peu moins. Il vaut mieux commencer par faire moins d'enchaînements. Mais les deux mains doivent être levées au maximum. La main en avant doit être levée au maximum et la main en arrière doit être étirée le plus possible. Cependant, en exécutant ce mouvement, il ne faut pas trop baisser la tête. Le corps ne bouge pas malgré le mouvement des deux mains. Quand on tourne la tête, quand on la tourne de côté, il faudra procéder doucement, mais à fond. En ce qui concerne les yeux, puisque la tête est abaissée, la tête doit être abaissée, il ne faut pas relever la tête. En tournant la tête, il ne faut pas la relever. On risquerait sinon de blesser la colonne cervicale. Le cou pourrait être affecté. La tête doit être abaissée et les yeux doivent bien regarder vers le sol. On regarde en bas, ensuite on tourne la tête. Si on retourne la tête en la baissant de trop, on entend des craquements. Si on tourne la tête en se relevant, on risque de blesser la colonne cervicale.
Par contre, si on veut faire cet exercice correctement, il faut faire attention à la direction des yeux et au positionnement de la tête. Voilà les points auxquels nous devons prêter particulièrement attention. Lorsqu'on tourne la tête, il faut essayer de le faire le plus possible. Il faut essayer de le faire le plus lentement possible. Il ne faut surtout pas le faire rapidement, sinon gare aux problèmes cervicaux. Passons à présent à l'étude d'un autre mouvement. Dans ce mouvement précédent, le point important était de veiller à ne pas blesser la colonne cervicale. Il faut faire attention lorsque l'on bouge la tête, de le faire comme je l'ai indiqué.